Oh, j'ai mieux que des idées. Ça, c'est Manelin. Et ses tours de magie. Personne d'autre ne sait faire tourner les têtes comme toi. D'abord, tu me cognes. Après, tu ruines mon petit commerce. Ça commence à ressembler à de l'amour vache. Peu importe, on perd du temps. Merci, Tommy. Vraiment. T'as pas perdu la main, ma belle. Edge a eu raison de miser sur toi. Comme nous tous, d'ailleurs! Malgré le brouillard de mon amnésie, les risques pris par Tommy et Edge pour me libérer m'ont bouleversé. Ils comptent sur moi pour punir les privilégiés de Neo Paris. Edge parle d'une opération clandestine amenée au cœur de la conforteresse Saint-Michel. D'un réveil brutal de ce quartier hautement sécurisé, pour en faire le terrain propice à une révolution. Pourquoi pas ? Plus qu'à la justesse de son combat, c'est à son amitié que se raccrochent mes pensées à la dérive. Pourquoi nos ennemis ont-ils effacé ma mémoire ? Suis-je si dangereuse ? Dans ma poitrine, dans ma gorge, jusqu'au bout de mes doigts, je sens palpiter ce pouvoir unique qui les effraie. Qui m'effraie aussi. Avoir le pouvoir de pénétrer les souvenirs d'autrui, pour les modeler à ma guise. Pour réécrire le passé. C'est comme être Dieu. Saisi par le vertige, de cette révélation, je n'ai qu'une certitude. Si ce pouvoir a fait partie de moi, je dois retrouver ce qui m'a été arraché. Je dois réapprendre mon don. Bienvenue dans le quartier Saint-Michel. Merci d'avoir choisi RC Dova. Bonne chasse. Pas de guide prévu? Désolée, j'ai des affaires familiales à régler de mon côté. Ta première cible s'appelle Kaori Sheridan. J'ai besoin de codes confidentiels cachés dans sa mémoire. Qui est-ce? La plus célèbre architecte de Neo Paris. Elle a en tête tous les moindres détails de chaque bâtiment qu'elle a conçu. Je la trouve comment ? Ton contact s'appelle Bad Request. Il t'attend au dernier étage de la rotonde Saint-Michel. Thank you.
Bradley, ses privilégiés, barricadés derrière leur petit confort, quand d'autres manquent de tout, à quelques mètres d'eux. Tout le monde ne peut pas naître du bon côté de la barrière. Ce n'est pas leur égoïsme que je condamne, Frangine. C'est leur acharnement à oublier tout ce qui les dérange. Il me faut cette robe pour l'anniversaire de Simon. Elle est à mourir. Ma chérie, si tu penses encore rentrer dans ce morceau de tissu, il faut faire réviser ton sexe. Je jure que s'il n'est pas là dans 30 secondes, je le rends. Je suis en retard. Merde. Mon Dieu, je suis vraiment désolée, madame. Vous allez bien? Est-ce que je dois appeler des secours? Non. Je vais bien. Si vous souhaitez porter plainte, mon identification a été fournie à votre terminal Sensen. Bonne journée. Oh, enfin! Ça fait 20 minutes que j'attends! Est-ce bien votre adresse, madame? Oui. Oui, je crois. Merci. À votre service. Si vous êtes sujet aux pertes mémorielles, ne sortez plus sans activer votre aug-balise. Attends, on dirait qu'on en a une autre, là. Mademoiselle, tout va bien? Vous avez l'air perdue. C'est elle, la chasseuse de souvenirs en fuite. Ici Patrouille 17. Suspect en fuite repéré. Intervention en cours. Isolation du périmètre. Yeah!
passer par les toits. Excellent. Tu retrouves tes réflexes. C'était qui ? Les uniformes ? La Force Sabre. Police privée financée par Memorize. Le bras de la loi avec le sourire. Elle ne peut pas être loin. En formation de trappe. Come on.